Salut à toutes et à tous, Marty Japan, Tendomètre sur Tokyo, hein, vous pouvez le voir. Il pleut, il fait froid, mais on s'en fout. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de nous rendre tous ensemble sur une borne de Super Dragon Ball Heroes. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nouvelles cartes, nouvelles vagues. Et qui dit nouvelle vague dit forcément des cartes de tueurs. Voilà. Et moi, ce que je vous propose, comme à chaque fois, c'est de tirer une dizaine de cartes et de voir sur quelle carte je vais tomber, tout simplement. Bref, on y va. Bon les amis, la vague du moment, regardez, on a le Migate no Goku maîtrisé ici qui déchire. On a quelques cartes dorées qui envoient du très très lourd, franchement. C'est le feu, celle-ci par contre, elle est fantastique quoi. Elle est vraiment magnifique. Un petit végéto ici, superbe. Moi ce que je vous propose donc, c'est de commencer gentiment, en douceur, choper quelques cartes et puis voilà. Pour les intéressés ici, regardez, vous avez la carte du V-Jump du mois de mars. Hein. Et comme d'hab, on met 100 yens. Voilà, boum! C'est parti mon gars! Donc le petit Goku, blablabla. Bla bla. Moi tout ce que je veux faire c'est acheter une carte. Ah, il gueule hein! La machine gueule là, franchement j'espère que vous m'entendez! Oui, je veux juste seulement acheter une carte. Voilà, comme d'habitude. Donc la licence, moi qui est juste là, on la pose ici. Hop là! Donc je peux retirer ma licence, pépère. Yes, ça c'est mon personnage qui n'a pas du tout évolué, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué de grosses aventures dans Super Dragon Ball Heroes. Et puis la carte elle tombe ici et on chope une Majin Buu de merde. Allez ça tombe, on continue ici avec un Gohan assez classe en Super Saiyajin, quelques reflets dorés, j'adore. Oula, elle a failli se péter la gueule et on a ici Gotenks en fond avec un Trunks plutôt sympathique. Plutôt fan. On continue les amis, on continue avec une carte qui se bloque et qui envoie du lourd puisqu'on vient de l'avoir. Putain de merde, ça commence les doubles. Allez, carte suivante. Ok, un Kyabe, plutôt sympathique. Franchement, je suis assez fan. Allez, on continue avec... Ok, une Toa. Très scud, mais très charmante. Allez mon gars, j'y crois. J'y crois pas. Non, alors là, j'y crois, mais alors absolument pas. Putain que c'est laid. Oula, attention mon gars, attention. Voilà une petite Son Goten Xeno, sympathique, neutre, voilà, sans plus. Qu'est-ce qu'on a? Oh putain, ça déchire. Oh putain, ça déchire. La Goku Xeno, comme ça, avec des prismes bien brillants, ça déchire. Allez, ça tombe. Et c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Alors, on a plutôt sympathique, voilà. Android 17 avec en fond Goku, hein. C'est classe. Franchement, c'est super classe. Allez, mon gars. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'aime pas ce personnage en plus. Bref, dans l'ensemble, ça reste correct, mais moi, ça j'en veux pas. Ça. Oula, doucement. Sympa. Proportion quelque peu étrange. On dirait qu'il est maigre, mais ça reste sympa, hein, Goku sur avec cette tenue là, quoi. Ça déchire. Allez, mon gars. Encore une double. Franchement, là, j'ai vraiment pas de cul, quoi. Dernière carte, les amis, dernière carte. Et on finit avec, s'il te plaît, du lourd. Rien que tu normalement, t'es censé savoir que ça déchire ou pas. Ben, bof, wouf. Kale, les amis, Kale. Bon, voilà. Sans plus dans tout ça. Quoique, la petite Goku Xeno, c'est plutôt pas mal. Bon, voilà, les amis, je suis rentré. Je me suis posé. On va faire le petit débrief des cartes que j'ai pu choper et également récupérer. Il y en avait quelques-unes un peu qui traînaient autour de la machine. Et j'ai pu tirer une autre carte. Et je vous la montre à la fin. De toute façon, on va faire ça tranquillou sur Fly, hein, Dragon Quest. Une petite figurine que je vous ferai en déballage sur la seconde chaîne. Bref, ici, on a pu donc choper un petit Majin Buu. Voilà, classe, assez sympathique. Un Trunks avec Gotenks en fond. Ok, j'adore. Voilà. Une Kale, voilà, toute choupinou, qui fait la tronche, mais ça passe. Ah, le Goku qui déchire avec la tenue de Saiyan. Franchement, je suis fan. Hein. Une tenue de Saiyajin comme ça, je trouve ça très classe. Kyabe, design assez propre dans l'ensemble. Dommage, il manque quelques brillances autour du ki, enfin de la boulette. Alors lui, c'est même pas la peine, je suis vraiment pas fan. Néanmoins, je suis... on va dire, je vais rester neutre. Au niveau design, c'est correct. Également pour celui-ci, je suis pas très très fan. Ah, voilà, ça c'est du lourd. Son Goten Xeno, plutôt sympathique également. De la Toa, ultra maigre, mais vraiment, je suis fan là. Elle est vraiment choupie, quoi. Faut dire ce qui est. Le Kyabe, on l'a déjà vu. Le Gohan ici, qui déchire en Super Saiyajin avec des petits effets brillants comme ça, qui envoie du très très lourd, que j'ai chopé en double. Comme vous pouvez le constater, un personnage dont on se fout. Moi, je vous le montre quand même, hein, faut pas déconner, voilà. Au moins, vous l'avez vu, hein, voilà, c'est propre.
un petit Android 17 avec en fond un Goku et un Golden Freezer. Quelques prismes brillants comme ça, j'adore. Oh là 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 là, celle-ci elle est juste fantastique quoi. Goku en Super Saiyajin Xeno avec en fond Gogeta Xeno. Et on termine ici avec une Karifuda, voilà, que j'ai pu choper à part Rapidos. Très classe, très propre, j'aime beaucoup. La Secret de cette collection-là est une Goku en Migaten no Gokui maîtrisée que j'aime énormément. Je pense que le prix va faire mal. Je pense l'acheter à part quand elle baissera de prix parce que je pense qu'au départ les tarifs vont carrément péter. Voilà, c'est tout. J'espère que cette petite aventure avec moi vous a plu. Hein. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan et Marty Japan des Bisous du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.